L'association Wanton Melody organise le deuxième festival et rencontre musicale du Maroun qui se prépare à Papa Ishtar. Si on aime la musique du fleuve, le Maroun, ou qu'on a envie de la connaître, il ne faut pas rater ça. Pour se rendre à Papa Ishtar, il faut prendre l'avion à Cayenne, aller à Maripasoula, une heure de vol. Ensuite, prendre la pirogue pour Papa Ishtar. On est en juin 2008. C'est la saison des pluies. Et cette année, il a beaucoup plu. Ici à Maripasoula, le village est très mélangé. On trouve des Bushinengue, autrement dit, noir marron, Boni, Djouka. Comme tout le long du fleuve, mais aussi des Amérindiens, des Brésiliens. Tout le monde ne monte pas à la fête de Papa Ishtar, mais quand même, beaucoup de pirogues vont arriver d'un peu partout pour amener le public au concert. Le Maroni a beaucoup monté. Les maisons sont dans l'eau. Même pour s'arrêter chez les Chinois, en délaissant, faire des courses, il n'y a plus de marche. On est presque arrivé à Papa Ishtar pour la soirée Reggae. On arrive trop tard pour Positive Vibration. Mais voici Success Striker, un groupe local. Ça c'est Atta Face. Atta Face, un groupe d'Albina en face de Saint-Laurent. Des rastas purs et durs. Atta Face est un groupe qu'on aime bien sur le monde. Ils ont des concerts presque tous les jours au Suriname. Rafraîchissement pour certains musiciens et d'autres groupes. Wailing Roots de Maripasoula, le premier groupe reggae du fleuve. Allez,
on se lève avec Jayouk de Saint-Laurent. Les filles n'hésitent pas à monter sur scène, à faire backside. Là, le chanteur demande au jaloux de laisser vivre sa vie. Il est dans son temps. Seulement.
la pirogue, c'est Altafesse et Jayou. Ils repartent sur Saint-Laurent-du-Maroni. La pirogue s'appelle Sekane, qui veut dire « Prends bien soin de moi ». Dans l'après-midi, on change de registre. Musique à l'équipe, typique du club. Ici, un groupe de Luka. Aloukou et Juka chantent ensemble. On y parle un peu de sorcellerie. Traditionnellement, la légué, c'est que des tambours et du chant. Les filles ne montent pas sur scène, mais l'ambiance est toujours très chaude. Dynamite, un groupe à l'équipe de Papa Ishton, que des jeunes. Les musiciens repartent et d'autres arrivent. La fête est loin d'être finie. Les femmes sont venues accueillir Samine, une des seules chanteuses d'Aleki. Elle est là, en noir, au milieu de la pirogue. C'est la seule femme dans la pirogue. Il y a tellement de monde qui sont obligés de mettre la pirogue autre part. Petit moment de relâchement avant l'année. Se reposer pour les uns, manger pour les autres. Il est 23 heures. La
soirée commence avec Big Boss University. Le groupe de Marie Fasola, qui chante parfois en français, des Aloukou, eux aussi. Un groupe à l'équipe. Ce sont aussi des Aloukou de Marie Fasola. La formation de basse pour Aleke. Et voilà les musiciens de Samina. Le groupe s'appelle Boifate. Ça veut dire les gars d'aujourd'hui. Un groupe qui marche très fort au Suriname et sur le fleuve. Elle rabaisse souvent les garçons dans ses chansons. Parce qu'aujourd'hui, les garçons ont tendance à maltraiter les femmes. Du fleuve Maroni qui a beaucoup monté l'année dernière et qui a fait beaucoup de dégâts. Et comme à chaque fois, avec la Leke, après une info mélodieuse, le rythme repart du plus belle. Dernier verre avant le dernier coup. Kassé Koloko, Tapato. Un groupe qu'on écoute aussi beaucoup sur le Maroni. C'est pas encore du Biggie Poco. Mais il y a déjà une guitare. Et ça change. Une belle voix. Écoutez. Va se lever.
Là, il ne peut pas chanter. Tout le monde rigole. Il demande aux femmes de l'écouter. Parce que la chanson parle d'une femme qu'il a aimée. Tout le monde aime cette chanson. Il raconte que quelqu'un a tout sa femme avec un autre. Il se demande pourquoi il se sent comme ça. Ma poupée, que rien ne t'arrive. Il prie. Ce sera le dernier coup du métier. Il y en a qui restent et d'autres qui repartent. Thank you.